C'est vous, Bray ? Le commandant Shepard en personne. J'ai même pas mon carnet d'autographe. C'est franchement pas le moment. Contentez-vous de me conduire à Arya. Suivez-moi. Alors, où est-elle ? Shepard ? Arya, vous auriez dû faire du théâtre. Les murs ont des oreilles au purgatoire. Je suppose que vous voulez reprendre Omega. Cette guerre est aussi la vôtre, Shepard. En contrôlant les systèmes Terminus, Cerberus accroît sa mobilité. Depuis la prise d'Omega, ils sont partout dans la galaxie. Je suis sûr que l'Alliance l'a remarqué. Allons droit au but. Quel est votre plan ? Les foutre dehors. J'ai rassemblé une flotte mercenaire. On perce les rangs adverses et on débarque en force. Une fois dans Omega, ce sera une guerre terrestre. C'est là que vous intervenez. Je ne veux que les meilleurs. C'est le général Oleg Petrovski qui est à la tête de l'occupation par Cerberus. C'est lui qui m'a détrôné. Connais pas. C'est le meilleur stratège de l'homme trouble et son secret le mieux gardé. Mais tout ce qu'il vous faut savoir, c'est que c'est un impitoyable salopard. Qu'est-ce que vous savez de l'occupation ? L'armée de Petrovski est nombreuse et il tient fermement Omega. Et ça s'arrête là. Alors vous improvisez ? Pas du tout. Je suis la seule à connaître certains secrets d'Omega. Des secrets qui nous donneront une longueur d'avance. Ce que je peux vous dire, c'est que l'invasion de Petrovski était précise et sans pitié. Il ne reculera devant rien pour triompher. Ça me rappelle quelqu'un. Shepard, je connais ma réputation. Je sais qu'on me hait. J'ai dirigé Omega avec une poigne de fer. Mais les gens étaient libres. Leur vie était à eux. J'ai préservé ça. Cet homme a détruit tout ça. Et il va bientôt le payer. Quand Omega sera à nouveau mienne, je vous donnerai tout ce que j'ai. Vaisseau, mercenaires, Ezo, pour votre guerre. C'est quoi l'arnaque ? Certains membres de votre équipe ne me plaisent pas. Cette mission se fera sans le Normandie et son équipage. Ce sont tous des professionnels. Disons juste que je vous veux pour moi seul. Bray vous donnera les coordonnées de ma flotte. Oh, tant que vous êtes sur la citadelle, merci de garder ce secret pour vous. La flotte est cachée dans ce système. Faites-moi signe quand vous arriverez. Arya et moi vous retrouverons sur le vaisseau amiral. J'ai hâte de savoir ce que veut dire tout ce cirque. On est 4 fois moins nombreux, et la plupart de nos vaisseaux sont limités en puissance de feu. On n'est pas là pour jouer au plus fort, Jarl. Il faut juste qu'on perce leur défense. Vous avez réquisitionné un croiseur de Cerberus. Notre invité d'honneur est arrivé. On peut enfin commencer. Laissez-moi deviner. Vous comptez infiltrer la flotte ennemie.
Exactement. On se met en position pour porter un coup décisif, puis mes forces interviennent. C'est un pari risqué. L'assaut est prévu depuis des semaines, Shepard. Pour une fois, laissez-moi mener la barque. Arya, notre collaboration commence mal. Ce qui est important, c'est surtout comment elle se termine. Bray, empruntez le relais et faites signe à la flotte d'attendre, qu'elle ne bouge qu'à mon signal. Croiseur, je ne vous vois pas sur le plan de vol. Identifiez-vous. Ici Lens. Reconnaissance vocale, Alpha Tango Z. On est touché. Demande de réparation. Identité confirmée. En attente d'autorisation d'approche. Comment vous l'avez convaincu de dire ça ? La manière forte. Voilà. Tout doucement. Rapprochez-vous autant que possible. Feu ! Faites passer la flotte par le relais. On est passé. Allez à la station. Le général essaie de nous joindre. Intéressant. Passez-le-moi. Arya, j'étais sûr que c'était vous. Vous n'y arriverez jamais. Laissez tomber. Vous vous fatiguez pour rien, général. Essayez donc plutôt de convaincre mon coéquipier. Commandant Shepard, on m'a dit beaucoup de bien de vous. Ma coéquipière, elle, ne vous couvre pas d'éloges. Elle n'a pas l'habitude de perdre. Ça altère son jugement. Dommage que vous ayez quitté Cerberus. On finit tous par se saboter. Au fond, peut-être que la réussite vous fait peur. Et à l'évidence, Arya pense que vous me faites peur. À mon tour. Je vois que vous avez pris la peine d'équiper ce vaisseau d'un blindage Silaris. Voilà une dépense bien inutile. J'ai amélioré les défenses extérieures d'Omega. Mes canons ne feront qu'une bouchée de vous. Il a l'air bien sûr de lui. En effet. Je me répète donc, faites demi-tour. Je demande à voir, Oleg. Fin de transmission. Ça, c'est fait. Cap sur la station. Attention, tout le monde. Impact imminent. Quoi ? La barrière cinétique d'Omega empêche les vaisseaux d'atterrir. J'ai équipé ce croiseur de disrupteurs qui la désactiveront à l'impact. Ne vous en faites pas. On devrait survivre au crash. Les boucliers sont morts, échec système général. On peut y arriver. Arya, ne soyez pas bête. Il faut évacuer. Merde, envoyez les modules d'évacuation. Allons-y, tout le monde. On n'a plus le temps. On dirait que cet enfoiré a bel et bien renforcé les défenses d'Omega. Il semblerait, oui.
J'espère que les autres modules s'en sont sortis. Bon, quelle est notre cible ? Neutralisons les défenses d'Oméga en frappant leur station pour que mes vaisseaux puissent atterrir. Sans ça, ils voleront en éclats. Exactement comme nous. Ok. Voilà pourquoi je vous ai fait venir. L'assaut terrestre. Au combat, je vous laisse les rênes. Aria qui cède son commandement, je demande à voir. Je sais avoir l'esprit d'équipe, commandant. Je connais notre destination et vous pouvez nous y conduire. Ok, allons-y. Me revoilà. Notre module a pris la sortie principale. Prenez les commandes et baissez la porte. Aria à la flotte. Vous donnez le coup ? Difficilement. On résiste à la flotte de Cerberus, mais les défenses d'Oméga nous mettent en pièces. Maintenez mon armée sur pied, Jarl. C'est tout ce que je vous demande. Équipe au sol, au rapport. Bray, vous me recevez ? Affirmatif. Mes seuls 6 modules sont là. Plusieurs points d'entrée. Ralliez-les, puis allez au hangar du point de rendez-vous et préparez-vous à l'atterrissage de nos vaisseaux. Un peu de nerf. J'ai des vaisseaux qui se font pulvériser pendant ce temps-là. Il faut arrêter ces canons. Par là. Accès refusé. Risque environnemental détecté. La zone suivante doit être repressurisée. Démarrage en cours. Intrus détecté. Arrêtez-les. Ah.
vient de se défouler. On a eu de la chance. Avancez. On a perdu deux autres transporteurs. On va pas pouvoir continuer longtemps ces manœuvres d'évitement. On est juste devant la station de défense. Tenez bon. Les voilà. Défendez la station. Jarl, on n'a plus de défense. Faites signe aux vaisseaux survivants de rejoindre le point de rendez-vous. Entendu. Trajectoire d'approche établie. On est en route. Bray, à vous. Je vous écoute. Point de rendez-vous sécurisé. Porte du hangar activée, bientôt ouverte. Non, maintenant. Mes vaisseaux arrivent. Préparez-vous à la réception. C'est quoi ce point de rendez-vous, au juste ? Notre destination. C'est un bunker que j'ai installé sur le pont D pour mes opérations plus sensibles. Il a son propre quai et son propre hangar secret. Il est absolument impénétrable. Une alimentation indépendante, des systèmes de survie, des munitions. Vous verrez. Sur le pont D. Inspectez les lieux et attendez les instructions. Alors, c'est parti. Il y a de fortes chances que le général sache où on va. Dans ce cas, assez bavardé. Bray, ouvrez l'œil. Vous risquez d'avoir de la visite. Génial. Prenez la sortie du fond. J'ai bloqué l'entrée derrière nous. Fait sensation? Bien. Les intrus! Ouvrez le feu! Ça fait du bien de se défouler! Panorama. Ça, c'est mon Oméga. Tiens. C'est quoi ça, là, au loin ? Une sorte de champ de force. Je n'aime pas ça. Mes hommes. Communication.
On se rapproche du point de rendez-vous. Allez. Je connais ce symbole. On dirait le tag d'un gang. Les serres. Ils venaient défigurer mes murs à moi aussi. Attention, Omega est compromise. Tout le personnel de Cerberus à son poste. Encore le symbole des serres. C'est peut-être une trace de la résistance. C'est bon à savoir. Il y a un de mes soldats près du champ de force. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Ces mécas passent à travers le champ de force. Arrête de bouger, petite merde. Il faut aller jeter un œil à ce champ de force. Par ici, Shepard. Pauvre imbécile. Quelque chose me dit que ces champs de force vont poser problème. On est coincé ? Pas cette fois. Venez là. Par là. Qu'est-ce que vous faites ? Je vous révèle un de mes secrets. Descendez. Qui va là ? Montrez-vous ! Tiens, tiens. Mais qui voilà ? Ariad Clock. Nairain, qu'est-ce que vous faites là ? Disons que je joue au chat et à la souris. J'essaie juste de rester en vie. Sans ces tunnels... Mes tunnels. Heureusement que je vous les ai montrés. Sans ça, je serais déjà morte ou enfermée. Arya n'est pas du genre à accorder facilement sa confiance. Vous devez être proche. Bonne question. Arya ? Shepard, voici Nairine Kandros, ancienne de l'armée turienne. On se connaît depuis longtemps. J'ai beaucoup de questions, mais elles attendront. Venez, on va vous conduire en lieu sûr. Je ferai de mon mieux. Vous êtes prête à dégainer ? Vous n'imaginez pas à quel point. Pourquoi vous êtes revenue, Arya ? Pour reprendre ce qui m'appartient. Vous avez oublié quelque chose ? Pas quelque chose. Tout.
Vous aviez raison, on nous attaque. Où en est la flotte? Toujours en cours d'atterrissage au bunker. Baissez les portes! Baissez les portes! Et vous débarrasser d'eux. La porte, on arrive.
On y est. Fermez tout. Je sais que c'est une forteresse, mais maintenant que le général est au courant, elle est toujours sûre? Ouais, là, j'ai l'impression d'être une cible. Je ne vais pas rester ici les bras croisés, et vous devriez savoir que je ne présume de rien. Et d'ailleurs, Nairin, vous avez quitté Omega, fâché contre moi. Je ne savais pas que vous étiez rentrée. Alors? En fait, je ne suis jamais partie. Et j'ai tout fait pour vous éviter. Bravo, on ne me trompe pas comme ça. Mais pourquoi? Je ne pouvais pas partir. Mais en fait, j'aurais dû. Vous disiez toujours que je causerais votre perte. Nairin a une formation militaire. Elle peut nous être utile. Vous faites vite confiance, hein, Shepard. Nairin n'a jamais supporté la... comment dites-vous ? Déchéance morale d'Omega. Et vous voulez la défendre maintenant ? Vous allez voir que je veux vraiment libérer Omega. Vos talents au combat semblent un peu rouillés, mais ça va encore. Allez voir mon officier de quart. Bref, surveillez-la donc. Ça marche. Ok, Shepard. Il faut aller vite. J'ai hâte de prendre ma revanche. Si vous croyez que je vais vous laisser tracer un sillon sanglant dans cette campagne, vous vous trompez. Et si vous croyez pouvoir me changer, eh bien, vous pouvez toujours essayer. Une fois opérationnel, ce bunker nous donnera des infos et des accès secrets à la station. J'apprécierais que vous jetiez un œil rapide aux opérations, pour vous assurer que tout se passe bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Je compte mes forces. Je dois savoir combien ont survécu à l'assaut avant de pouvoir planifier l'attaque. Ce ne sera pas long. Retrouvez-moi à la console de commande. Chef ? Shepard. Humain. Cerberus sait qu'on est ici. On va régler des cartes de combat. Alors faites gaffe aux mises à jour des listes. On a aussi perdu quelques cargaisons de ravitaillement. Ce que je veux dire, c'est une balle, un ennemi. Une fois qu'on aura atteint d'autres secteurs de la station, certains partiront en éclaireur pour ramener du matériel. Soyez vifs et soyez aux aguets. Et nous reprendrons Omega en un rien de temps. Distribuez toutes les armes. Inutile d'en mettre de côté. Les vivres vont être limités. Si nous n'avions pas perdu ce ravitaillement. Si nous n'avions pas perdu ce vaisseau, surtout. Ni l'équipage. Oui, ça aussi. Tout juste. Quand vous aurez le temps, commandant. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a chargé d'augmenter l'emprise de ce centre de commandement sur les systèmes d'exploitation d'Omega. J'ai piraté la surveillance sur de nombreux ponts, mis plusieurs voies de communication sur écoute. Mais c'est tout ce que je peux faire. Il y a des terminaux dans les zones contrôlées par Cerberus. Et, bref, ce serait bien de mettre la main dessus. Quand vous trouverez ces terminaux, la simple saisie d'un code m'y accordera l'accès et plus d'influence sur les systèmes de la station. Plutôt facile. Bien, je vais garder un œil sur ma console et je vous préviendrai lorsque mes codes seront activés. Merci. Détournement des systèmes. Ruck ? Ruck, t'es là ? Je te jure que si tu réponds pas... Ah, enfin ! T'es où ? Tu sais pas ? Sans rire. Non, bah t'as qu'à vérifier les plans de la station dans ton Omnitech. Comment ça, ton Omnitech est cassé? Ruck, ça va pas du tout. Ok, ça t'aide pas du tout, désolé. Écoute, j'arrive pour te ramener au bunker, d'accord? Encore des...
merde. Qu'est-ce qui vous arrive? Les onduleurs font des courts-circuits. J'essaie de contourner le problème, mais rien à faire. On peut probablement en récupérer quelque part sur Omega. Si vous tombez sur un jeu d'onduleurs qui rit, ramenez-les-moi. Je vais voir ce que je peux faire. Aria veut vous parler. Laisse tomber. Rien à faire, il faut des onduleurs neufs. Ouvre l'œil pour les panneaux. Je vais vérifier avec mes plans de la station pour essayer de te localiser. Je... Quoi ? Ruck ? Je trouve aucune référence à cet endroit. Non, c'est pas une blague. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. T'es le seul à pouvoir te paumer comme ça. Je sais pas comment tu t'y prends. Tout ce que je veux dire, c'est que t'es super qualifié pour te perdre. Laisse tomber. Rien à faire, il faut des onduleurs neufs. Chef ? Comment ça se présente, Az ? Tous les systèmes sont opérationnels. Les plans complets d'Omega sont en ligne. Regardons ça. Je vois. Shepard, ces champs de force que nous avons vus. Le général en a mis partout. Il contrôle tous les accès de la station. Ça représente quoi, ces zones sombres ? De nombreuses sections d'Omega sont privées de courant. L'énergie doit être détournée pour alimenter ces champs de force. Trouver la source, c'est la priorité. Et il nous faudra une évaluation tactique sur les forces de Cerberus. Je m'en charge. Shepard, on a du travail. Nos pertes sont très lourdes. On ne peut pas déployer une armée assez puissante pour affronter Cerberus. Alors il nous faut des alliés, comme d'habitude, quoi. Je confirme qu'un groupe de mercenaires est toujours actif. Les Cerres résistent à l'occupation. Ce ne sont pas les meilleurs, mais on n'a pas le choix. C'est l'heure de jouer aux diplomates. Si leur chef actuel refuse notre contrat, son successeur ne le refusera pas. Pardon de vous interrompre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je déchargeais du matériel vite fait, et quand je me suis retourné... Vous l'avez perdu ? Mais... je... Tout est verrouillé. Elle doit bien être quelque part. Ce bunker possède des accès secrets vers d'autres parties de la station. Naerin les connaît, malheureusement. Bon sang, Bray. Si je ne manquais pas autant de personnel... Il faut absolument avoir les Cerres avec nous. Quand vous serez prêts, rendez-vous à la sortie près de l'armurerie. Mais ne me faites pas attendre. Oui, qu'est-ce que c'est ? Vous avez une minute ? Il faut y aller. Mais qu'est-ce qui vous préoccupe ? Une fois les Cerres recrutés, comment on atteint le général ? Je suis en train d'y réfléchir. Il a installé son centre de commandement dans l'au-delà. Sans doute une manœuvre pour me mettre hors de moi. Ne vous laissez pas manipuler. Il veut vous déstabiliser. La colère est utile. Ces champs de force étranges bloquent l'accès à la majorité de la station. L'au-delà compris. Une fois que nous aurons atteint notre premier objectif, on cherchera un moyen de les contourner. Assez parlé. Il y a autre chose où nous pouvons avancer ? Parlez-moi de ces mercenaires que vous voulez enrôler. Ce sont des dealers et des égorgeurs, mais ils sont très organisés. Ça les sort du lot. Ils semblent plus policés que, disons, les berserkers, mais au fond, ils sont tout aussi immoraux. Il faudra faire appel à leur avidité pour les faire entrer et rester dans le rang. Vous voulez savoir autre chose ? On dirait que Naerin nous cache quelque chose. Vous parlez de sa petite disparition ? Franchement, ça ne m'inquiète pas. Venant de qui que ce soit d'autre, je verrai rouge, mais Naerin est un électron sous contrôle. Elle croit en un code éthique. Elle transpire la vertu. Vous avez dû faire une drôle de paire. Les opposés s'attirent, pas vrai ? Notre lien était puissant, mais voué à l'échec. Naerin était totalement inflexible. Elle ne supportait pas les épreuves que ma vie impose. C'est tout ce que vous saurez à ce sujet, Shepard. Il y a autre chose ? Parlez-moi de Petrovski. Il prétend avoir le droit de s'asseoir sur mon trône. C'est tout ce qui compte.
J'ai compris que vous la haïssiez, Aria. Mais j'ai besoin de savoir ce qui nous attend. Très bien. À son crédit, il n'est pas comme les autres agents de Cerberus que j'ai rencontrés. Il est malin, sa pensée sort des sentiers battus, et il est très imprévisible. Il est comme son patron. Peu importe qui souffre ou combien ça coûte, il ne recule devant rien. Pour le vaincre, il faut être prêt à faire la même chose. Est-ce que le passage en revue est fini? Parce que notre temps est précieux. Je vous libère, pour l'instant. Bien. Je vous rejoins à la sortie, près de l'armurerie. Commandant. Laisse tomber. Rien à faire, il faut des onduleurs neufs.